Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs. Moi, je suis là pour vous présenter les morceaux. Hein. Le président Patrice Billot-Grard viendra, je pense, tout à l'heure présenter la musique et remercier l'invitation qui nous a été faite ce soir. Donc nous venons de jouer Cavalerie légère de Franz Suppé, donc compositeur et chef d'orchestre autrichien. Bien qu'il ait composé près de 30 opérettes, ballets et autres compositions pour la scène, il reste connu principalement pour ses ouvertures, dont certaines bénéficient même d'une belle notoriété, comme Poète et paysan, Matin, Midi, Un soir à Vienne, ou encore la célèbre ouverture que nous venons de vous interpréter sous la direction de Pascal Wittmann, Cavalerie légère. Nous poursuivons notre concert avec, si je ne me trompe pas, eh bien, une pièce importante qu'on a mis à notre programme, la plus importante d'ailleurs, c'est l'ouverture de Guillaume Tell, l'ouverture complète de Guillaume Tell. Donc cette ouverture est en quatre parties. La première partie, en Dante, exprime le calme alpin des montagnes suisses. Ce très beau morceau en arpège est plein de lyrisme. La deuxième partie, Allegro, est jouée par tout l'orchestre. Il décrit l'orage qui s'abat sur le navire de Tell. L'orchestre se lance dans un oppressant crescendo qui éclate avec force. L'orage déchaîné s'abat sur le navire. Suit une descente chromatique libérant les cuivres qui se déchaînent, les trombones jouant notamment une courte mais terrible fanfare. Le déchaînement des éléments finit par s'atténuer dans un diminuendo tout aussi inquiétant et l'orchestre s'immobilise peu à peu. Les grondements de l'orage s'évanouissent alors. La troisième partie,
Andantino exprime la douceur campagnarde, c'est le bois ici qui domine. Il interprète et répète un doux rang des vaches qui entrelacent les arabesques de la flûte. La quatrième partie, la plus connue du reste, Allegro vivace, est très célèbre et symbolise la révolte des Suisses contre leur envahisseur autrichien. Un appel de trompette interrompt brusquement la rêverie du hautbois et s'apparente à merveille à une charge de cavalerie. Enfin, pleine de puissance, éclate la fanfare triomphale ponctuée par la batterie Inerata, même quand les fragments en sont repris piano. Le galop recommence, le tempo s'accélère. La victoire des Suisses est consommée et l'orchestre s'emballe dans une véritable explosion de joie. Un rappel de la fanfare mène à un déluge d'accords cadentiels qui se termine par une bride de la fanfare et deux puissants accords syncopés victorieux. Voici donc, sous la direction de Pascal Villemain, l'ouverture, la célèbre ouverture de Guillaume Tell. Thank you.
Notre concert avec une toute autre chose, puisque la toute autre époque. Guillaume Tell était avec son arbalète, maintenant vous êtes peut-être James Bond, c'est pas les mêmes armes. Voici donc une sélection des thèmes musicaux les plus connus des films de James Bond, avec pour terminer le célèbre Goldfinger de John Barry, chanté par, à l'époque, par Shirley Bassey. Donc il n'est pas la femme, notre ami trompettiste. Voici donc James Bond. Thank you.
Thank you.
The Rockin' Beatles. Voici une petite sélection des chansons des Beatles composées entre 1962 et 1970, date de leur séparation. Ils ont composé plus de 200 titres et nous en jouons 4 tout petits. Il faut savoir que les Beatles demeurent les artistes ayant vendu le plus grand nombre de disques au monde, plus de 1 milliard. Par ailleurs, on a calculé dans les années 70 qu'à tout moment, partout dans le monde, l'une des interprétations de la chanson Yesterday était jouée par une radio quelque part dans le monde. Donc, à tout moment, pendant sur 24 heures, cette chanson a été jouée en boucle. Voici donc, on l'a pas à notre programme ce soir. Voici donc une sélection des Beatles. Direction Pascal Wiman. Thank you.
Mais nous terminons notre prestation avec une célèbre marche américaine. Tout le monde connaît dans tous les films américains, je crois qu'il y en avait celle-ci. Voici donc National Emblem de Begley. Merci. Notre président, parce qu'il n'est pas là, hasard, non, bon, donc il était là tout à l'heure et il a eu un petit souci, donc je suis juste le vice-président, donc je n'avais pas préparé de discours, donc ça sera très court, donc voilà, on voulait juste remercier l'harmonie de Morteau, et puis voilà, on espère que vous avez passé une agréable soirée, et puis à bientôt, merci.